deuxième manche de quart de finale opposant le T4, la team T4 du côté Atlas contre les Celestia du côté Sentinel. On est sur le quart de finale du tournoi Glory for Gamer du vendredi 22 mai. Il est 23h40. On est sur le Frightening Friday, quart de finale, Celestia versus T4. Les T4 qui viennent de remporter la première carte de ce quart de finale. Je vous rappelle que nous sommes sur PlayStation 4, 4v4, Deserto, règle Deserto. Un tournoi organisé par Glory for Gamer. Et pour l'instant, les Celestia qui sont en attaque avec Arca qui vient de faire encore un kill. Il se retrouve en 1v2, il n'a pas repéré, il va tomber. Le kill qui est fait et la manche qui va être prise. Allez, pour chaque manche, vous pouvez parier. Je rappelle que les coupies servent à la fin du chaque mois. Les premiers en nombre de coupies gagnent des cadeaux. Cette fois-ci, ça va être des cartes prépayées. PSN, Xbox Live, Steam, à vous de choisir. Et on va fermer les paris maintenant, les loulous. Zéro manche, ça n'existe pas, hein, bien sûr. Puisqu'il ne peut pas y avoir zéro manche de différence. C'est une, deux manches, trois manches, quatre manches, cinq manches, six manches de différence. Et je ferme les paris maintenant. Zéro manche, c'est impossible. Hein. Celui qui a parié zéro manche, là, il faut qu'il change. Et on va fermer les paris. Parce qu'il pourra pas gagner 15 manches, lol. Allez, je ferme les paris. J'espère que vous avez bien parié sur cette game. Et pour l'instant, les T4 qui est bien parti pour mettre le break. Le break qui a été pris par les T4. Les T4 qui viennent de remporter la manche, la deuxième manche. Le break qui a été mis. Maintenant, c'est au T4 de confirmer. Au T4 de confirmer lors de cette défense. Leur break pouvoir asseoir leur domination dans cette R&D. J'espère que vous avez bien parié, je vous rappelle que les paris sont fermés. Le premier kill qui a été fait. Allez, Crush qui est en duel là. Face à Deliver. Le 2v3. Deliver. Oh là là, ça va tomber. Crush qui va se retrouver en 1v3. Ça va être extrêmement compliqué. Oh, Crush qui va se faire rush. Non, ça va tomber. 3-1 pour l'instant, c'est Celestia qui n'ont aucune solution. Aucune solution. On va voir comment ça va se passer. Allez, c'est aux Celestia de prendre leur défense là. Il faut absolument qu'ils prennent une manche pour pouvoir repartir dans cette R&D. Parce que là, ça commence à être très très compliqué pour eux. Ah, Gix qui va tomber du côté des Celestia. Le double kill, le 2v3 pour l'instant. Crush qui a repéré et qui va faire le kill. Ça joue bien. 2v2. La bombe qui a été plantée. Deliver. Est très bien placé. Deliver qui va faire le kill sur frag. Crush qui va se retrouver tout seul en 1v2. Il reste 22 secondes. Il a pas repéré en dessous. Il n'a pas repéré. Crush qui va rater son kill. 0-4 pour l'instant. Je vous rappelle que toutes les 10 minutes de visionnage du stream, vous recevez deux coupies.
Allez. Oh là là, les T4 qui sont en train de tous de baquer. Ça va faire très mal. Jojo qui a repéré. Oh là là, le premier kill, le deuxième kill. Ils n'ont absolument pas vu ça. Les T4 qui ont fait une très belle strat là. Oh Jojo qui fait le gros turn. Arca qui va faire quelque chose. Arca qui va tomber. Le premier qui invite, hein, le premier qui se fait stream. Vous connaissez la chanson. Le bon kill, ça va être la manche pour ces T4. Les Celestia qui ne peuvent absolument rien faire. Merci Vince pour ton follow. Aïe 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 aïe, les Celestia là qui se font mener 0 à 5. Il faut au moins qu'ils mettent une manche pour l'honneur. Une manche pour l'honneur qui serait à mettre là pour ces Celestia. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. C'est Celestia qui essaye, qui ont décidé de faire exactement la même chose que les T4. On va voir si ça va être aussi bien fait. Jojo qui vient de poser. Sauf que la différence c'est que ça avait posé. Jackson qui vient de se faire shoot. Mais là ça back le back, si tu vois ce que je veux dire ou pas. Deliver qui va arriver dans le dos. Deliver, oh qui va se faire shoot. Gamer Jojo qui va se retrouver tout seul en 1v4. La bombe qui est en train d'être désamorcée. 1v4, Gamer Jojo qui a repéré, qui va punir la bombe qui va se faire shoot, la bombe qui va être désamorcée, la manche qui va être prise par ces Celestia. Première manche pour ces Celestia, 1-5. Est-ce que ça va être la remontée des Celestia? Des Celestia. Attention, on va voir. Est-ce que ces Celestia vont réussir à se réveiller et à repartir à l'abordage de ces T4? Rien n'est moins sûr. Frag, le bon kill. C'est bien joué. Le premier kill, le premier sang. Ça fait toujours plaisir, ça. Ça fait toujours plaisir de mettre le premier sang. Floumé qui rate son shoot. Oh le bon kill de Frag, le double kill de Frag, ça joue bien. Ça joue bien, le triple kill qui a été fait. Gamer Jojo qui se retrouve tout seul en 1v3. 1v3. Attention, c'est le réveil des Celestia. Des Celestia, excusez-moi. Jojo qui se retrouve tout seul. Ils étaient trop confiants, c'était 4. Il était trop confiant, ces 4. Le premier kill de Jojo. Jojo qui est en 1v3. Mais qui est tellement... Oh, le double kill! Non, 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 ça va pas passer. Ça va pas passer. Ça ne va pas passer. 2 à 5 pour l'instant. Allez, 2 à 5 pour l'instant. C'est au Celestia de prendre la défense. C'est au Celestia de faire le taf là pour essayer de remonter. Déjà deux manches de match écartées par ces Celestia. On va voir. Allez Jojo. Allez Jojo, ça, ça arrive pas là. Le 2v2 là pour l'instant. Jojo et Floumé qui se retrouvent au mid. C'est à eux d'attaquer, hein. C'est à eux d'attaquer, c'est à eux vraiment de se donner. Allez Jojo. Jojo, est-ce qu'il a repéré? Jojo n'a pas repéré. Il est juste derrière le mur. Le bon kill qui est fait par Jojo. Oh là là, ça l'a surpris. Et Geeks qui va se retrouver tout seul. 1v2. 1v2, il va essayer de... Le shoot qui ne passe pas. Le scope qui ne passe pas. Oh, Floumé qui met le shoot. Qui met la dernière manche. La dernière manche qui est prise par CT4. 6-2 dans cette R&D. Très bien joué de la part des T4. Qui se sont imposés assez facilement.
Bien joué à eux. Alors, nous, on va tout, bien sûr, la suite de la R&D. C'était Coupinou sur la chaîne du 3615 eSport.